C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. La cité des Muguets a vécu cette nuit au rythme des émeutes. Jusqu'au milieu de la nuit, une centaine de jeunes a littéralement assiégé le commissariat de police qui se trouve au milieu de la cité. Les batailles rangées ont fait 14 blessés du côté des forces de l'ordre. 33 émeutiers ont été arrêtés. Les casseurs ont fini par saccager une partie du centre commercial ainsi que quelques bâtiments avant de se disperser à 4 heures ce matin. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a 2 jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel Isha est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges, où son état est jugé grave par les médecins.